Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast pour Chien Ludique. Je suis Leïla et aujourd'hui je vais vous parler de L'Appel de la Forêt. Alors L'Appel de la Forêt c'est un grand classique de la littérature. Alors pourquoi parler de littérature alors que c'est un blog sur les chiens à la base ? Eh bien tout simplement parce que je trouve que dans la littérature on apprend beaucoup de choses sur finalement la manière dont on considère le chien au fil des époques, au fil de différentes sociétés. Et du coup c'est vraiment intéressant de se pencher dessus. Et en plus c'est un super bouquin. Et du coup ça fait partie de ces grands classiques qu'on connaît tous vaguement. On a au moins entendu parler de l'auteur, Jack London, ou on a vu peut-être d'autres films ou entendu d'autres histoires. C'est lui qui a aussi écrit Gros-Blanc, qui est très très célèbre. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que donc moi je me suis dit il faut quand même un jour que je lise ce bouquin, L'Appel de la Forêt, déjà parce que c'est le héros principal, c'est un chien, c'est Buck. Du coup, c'est rigolo. Et en plus, je suis une personne de culture, n'est-ce pas ? Et ce qui m'a frappé quand je l'ai lu, c'est que je me suis demandé plusieurs fois, mais il est vraiment pour enfants, ce livre ? Et parce qu'il est un peu violent, quand même. Donc, dans cette chronique, je vais un petit peu commenter le livre, et puis je vais vous lire quelques passages. Mais je vais aussi, surtout, vous faire une petite mise en situation de qui est l'auteur. Parce que cet auteur est complètement fou. C'est pas une personne normale. Déjà, bon, c'est effectivement un écrivain, Jack London. D'ailleurs, un des premiers écrivains américains à vraiment rencontrer du succès, à vraiment vivre de ça. En même temps, vous me direz, c'est facile quand on a une civilisation si courte des États-Unis. Mais c'est facile d'être le premier dans quelque chose. Mais donc cet homme, il a grandi dans une famille assez pauvre. Sa mère était d'ailleurs mère célibataire. Elle s'est remariée assez vite, mais quand même, au départ, elle était mère célibataire. Elle a d'ailleurs tenté de se suicider deux fois. Évidemment, elle l'a raté. Et elle a été très malade, elle ne pouvait pas s'occuper de son fils, alors c'est une ancienne esclave qui s'occupait de lui. Et puis lui, quand il a grandi, il voulait pas être fermier, donc il s'est barré de chez lui. Il a commencé à être un vagabond, il a fait des tas de métiers, du plus humble, on va dire, comme balayeur de jardin public, menuisier, éleveur de poulets. Mais il a aussi été chasseur de phoques, il allait jusqu'au Japon, en Sibérie. Il a travaillé dans des usines, il a été pilleur d'huîtres. Après, il est repassé de l'autre côté de la loi, il a été patrouilleur maritime. Il a été aussi blanchisseur et chercheur d'or. Donc il a vraiment fait plein de choses. Et puis évidemment, comme il était pauvre et qu'il avait un souci avec l'autorité, il était autodidacte, il s'est cultivé lui-même. En lisant beaucoup, énormément. Notamment, il a lu les contes de l'Alhambra, que je vous conseille beaucoup, qui fait aussi beaucoup voyager. Mais là, par contre, ça se passe en Andalousie. Donc je vais pas raconter toute sa vie, c'est un peu pour vous situer le personnage qui était lui-même une personne d'aventure, une personne qui a exploré, qui a allé dans le Grand Nord, qui a vécu avec les chiens. Donc tout ce qu'il va raconter dans ses livres, en fait, ce n'est pas de la fantasmagorie de personne qui vit dans son bureau et qui fait qu'écrire. C'est du récit de quelqu'un qui a vécu les choses. Et qui était d'ailleurs engagé, il était très engagé, notamment socialiste, parce qu'à l'époque où il était jeune, il y avait des grandes paniques économiques. Et du coup, et comme il travaillait dans les usines lui-même, ça l'a un petit peu formé à cette lutte ouvrière. Alors, maintenant je vais vous parler, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse, c'est L'Appel de la Forêt. Alors L'Appel de la Forêt, mais en anglais c'est The Call of the Wild, pardon pour les anglophones qui ont dû se faire écorcher les oreilles. Mais je voulais insister sur Wild, l'aspect justement... de la vie sauvage, la vie naturelle, qui n'est pas civilisée, qui n'est pas humaine. Et du coup, donc, tout cet appel de la forêt, ça retrace la vie de Buck, le chien, de sa naissance jusqu'à sa vie sauvage, et voilà comment il grandit, comment il évolue, les rencontres qu'il va faire, comment il s'émancipe. Et forcément, je vais spoiler, donc si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez garder du mystère, arrêtez-vous là, allez lire le livre. Si par contre ça ne vous dérange pas de connaître un petit peu les certains fils, je vais être très légère, mais je vais quand même spoiler. Mais le livre reste, de toute façon, qu'on sache l'histoire ou qu'on la sache pas, il est très agréable à lire parce qu'il nous entraîne vraiment dans un certain rythme. Donc je pense pas que se faire spoiler un peu va gâcher le plaisir de la lecture. Mais vous êtes prévenus.
Donc, en fait, je vais directement commencer par vous lire le début du livre, comme ça, ça va vraiment vous mettre dedans. Comme les chiens ne lisent pas les journaux, Buck ne pouvait donc pressentir les ennuis qui guettaient tous ses frères de race. Les chiens aux muscles forts, aux poils longs et drus, vivant entre le détroit de Puget et San Diego. Des hommes s'étaient aventurés dans la nuit arctique et y avaient trouvé un métal jaune. Les compagnies de transport avaient répandu cette nouvelle et par milliers les chercheurs d'or se lançaient à la conquête du Nord. Il leur fallait des chiens, des bêtes lourdes, musclées, capables de tirer les traîneaux et de résister au froid. Buck vivait dans une grande maison de la vallée ensoleillée de Santa Clara. Elle appartenait au juge Miller. C'était une propriété entourée de pelouses et de bouquets de hauts peupliers. Derrière la maison, on apercevait les grandes écuries, les rangées de chalets des domestiques et à perte de vue des hangars, des serres, des vignobles, des verts pâturages, des vergers. On y voyait aussi la pompe du puits artésien et le grand bassin de ciment où les fils du juge s'ébrouaient le matin ou se rafraîchissaient l'après-midi. Buck régnait sur ce grand domaine, il y était né et y avait passé ses 4 années de vie. Bien entendu, il y avait d'autres chiens, mais ils ne comptaient pas. Ils allaient et venaient, vivaient au chenil ou se cachaient à l'intérieur de la maison. Mais Buck n'était ni un chien de chenil, ni un chien d'appartement. Il était le roi du domaine. Il avait droit au plongeon dans le bassin, partait à la chasse avec les fils du juge. Il escortait leur promenade. Dans leur promenade, Molly et Alice, les filles du juge. Les nuits d'hiver, il s'étendait au pied de son maître, devant le feu ronflant de la bibliothèque. Promenait sur son dos les petits-enfants du juge ou les basculait dans l'herbe. Il dédaignait les terriers et ignorait superbement les pékinois, papillons et autres bestioles. C'est en souverain qu'il vivait. Son père, Elmo, le grand Saint-Bernard, avait été l'inséparable compagnon du juge. Buck avait pris sa place. Il était moins grand, ne pesait que 65 kilos, car sa mère, Shep, était de la race des bergers écossais. Cependant, son poids, allié à la dignité née du confort et du respect universel, lui donnait une allure royale. Ses 4 années de jeunesse avaient été celles d'un aristocrate détaché, sûr de lui, sportif aimant la chasse, les courses au grand air et les bains froids. Sa santé était éclatante, il possédait des muscles d'acier. Voilà donc Buck à la fin de 1897, l'année de la grande ruée vers l'or, du Klondike dans les glaces du Nord. Mais Buck l'ignorait, comme il ignorait que Manuel, l'aide jardinier, était un homme peu recommandable. Fin de l'extrait. Donc moi ce que j'aime beaucoup c'est que tout de suite on est plongé dans l'histoire, et tout de suite on comprend qui est Buck, on comprend comment il vit, on a une idée d'à quoi il ressemble. Et ce qui est drôle c'est que dès le départ on a des petits, des petites traces dans l'écriture, que l'auteur connaît les chiens et il a une idée, en tout cas, de leur psychologie. En tout cas, il se fait son idée. Sans entrer dans un débat éthologique, hein, je suis pas du tout là pour ça. Et par exemple, quand il dit il avait le droit au plongeon dans le bassin, il partait à la chasse, le chien, il sent qu'il a un espèce de privilège par rapport aux autres chiens, il a son idée de sa place. Et c'est amusant de lire ça comme ça, parce que on n'est pas tout à fait dépaysé, on peut presque considérer que Buck est comme nous, qu'il est comme un être humain. Mais ça reste un chien avec sa vision de ce que sont les autres chiens, quelle est leur place, qu'est-ce que c'est qu'avoir des privilèges, qu'est-ce que c'est que la vie idéale selon Buck, c'est pas vivre au chenil, c'est pas se cacher dans la maison. Donc déjà rien que ça, c'est vraiment intéressant déjà de ce point de vue-là, d'imaginer comment Jack London pouvait voir les chiens. C'est très drôle. Alors évidemment ça c'est le début et très vite vous comprenez que Manuel va lui jouer un mauvais tour, hein, l'aide jardinier, qui n'est pas recommandable. Et en fait, il fait allusion donc à la grande ruée vers l'or, vers le Klondike. Et à cette époque, en fait, il y avait une énorme consommation de chiens de traîneau. Et la demande était tellement forte que les gens volaient des chiens, qui étaient assez costauds, pour les envoyer revendre dans le grand Nord comme chiens de traîneau. Et la vie de chiens de traîneau était extrêmement difficile. C'était des animaux qui étaient utilisés jusqu'à l'épuisement. On le voit d'ailleurs dans l'histoire, c'est des chiens qui n'ont pas le temps de se reposer, ils vivent dans des conditions très rudes avec les autres chiens et avec évidemment les mushers, donc les conducteurs d'attelage. Des conditions dures pour les gens, pour les chiens, donc vous savez très bien que quand les conditions sont difficiles pour les humains, elles sont encore pires pour les animaux, et c'est normal, enfin c'est normal. C'est pas que ça devrait être ainsi, mais on peut très bien comprendre que c'est l'ordre des choses. Et justement, on va voir le parcours de Buck qui déjà va quitter son confort douillet et sa vie un petit peu altière pour se retrouver traité comme un esclave et se faire maltraiter. Et c'est dans ce premier passage de maltraitance que je me suis posé la question de « mais c'est vraiment pour la jeunesse ?» Parce que c'est assez fort, assez violent. Et je vais vous lire l'extrait. Donc moi je vous préviens, c'est pas gore, c'est juste que c'est très graphique, c'est très décrit et on s'imagine très très bien la scène. Et puis on a déjà eu le temps de s'attacher à Buck. Donc Buck vient de se faire enlever.
Et il se fait trimballer dans une caisse en train. Et il se fait décharger, il se fait récupérer par une première personne qui l'a racheté. Et qui compte le mater avant de le revendre. Début de l'extrait. Tandis que la hachette attaquait le bois, Buck chargeait de l'intérieur. Il grondait, grognait, aussi impatient de sortir de la caisse que l'homme au chandail rouge était patiemment décidé à leur faire sortir. « Alors, démon aux yeux rouges !» dit-il quand il eut pratiqué une ouverture suffisante. Au même instant, il laissa tomber la hachette et saisit le gourdin de la main droite. Buck était un démon déchaîné quand il se ramassa prêt à bondir, les poils hérissés, la gueule baveuse, un éclair de folie dans les yeux injecté de sang. Il se lança droit sur l'homme de tout son poids, surchargé de la fureur et des tourments accumulés en 2 jours et 2 nuits. Mais au moment précis où ses crocs allaient atteindre son bourreau, il reçut le coup de gourdin qui brisa son élan, le fit claquer des dents et l'envoya rouler à terre. Jamais il n'avait reçu de coup de gourdin. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Un grondement, mi-aboiement, mi-hurlement. Et il se remit sur pied, prêt à l'attaque. Et le coup retomba et l'écrasa au sol. Cette fois, il comprit que c'était le gourdin, mais sa folie dépassait toute prudence. Il chargea 12 fois, et 12 fois le gourdin brisa son assaut en l'écrasant au sol. Après un coup particulièrement dur, il se remit debout trop hébété pour bondir. Il avança en chancelant, le sang lui ruisselant du nez, de la bouche et des oreilles, son beau poil maculé de bave sanglante. Un homme l'homme marcha sur lui et délibérément lui appliqua un terrible coup sur le nez. Tout ce qu'il avait souffert jusqu'ici n'était rien comparé à cette agonie de douleur. Avec un rugissement féroce, il se jeta encore sur l'homme, mais celui-ci maniait le gourdin à gauche et à droite, lui prit calmement la mâchoire inférieure, la leva, la baissa, faisant décrire à Buck un tour complet en l'air jusqu'à ce qu'il retombe au sol, sur la tête et la poitrine. C'était son dernier assaut. L'homme alors lui administra le coup final qui lui fit perdre connaissance. « Son nom est Buck, » murmurait-il. « Allons, Buck, mon garçon, » dit-il d'une voix aimable. « Nous avons eu notre petite correction. Tu connais ta place à présent. Sois un bon chien et tout ira bien. Sois un mauvais chien et je t'extirperai ta méchanceté. Compris ?» Sans peur et tout en parlant, il se mit à tapoter la tête qu'il avait si cruellement meurtrie. Et tandis que son poil se hérissait malgré lui, Buck le laissa faire sans protester. Quand l'homme lui apporta de l'eau, il but avidement et plus tard mangea une grande portion de viande crue, morceau par morceau, de la main de l'homme. Il se savait vaincu, mais non brisé. Il avait compris une fois pour toutes qu'il ne possédait aucune chance contre un homme armé d'un gourdin. Il avait appris la dure leçon et toute sa vie, il ne l'oublia jamais. Le gourdin était une révélation. Par lui, il prit contact avec la loi primitive et s'efforça de s'y adapter. Les événements de la vie prenaient un tour plus cruel et en y faisant face lucidement, Buck sentit se former en lui une faculté nouvelle de ruse et d'astuce. Donc c'est un passage qui est difficile, mais qui est important pour Buck parce que c'est là qu'il comprend que le monde est cruel et dur et il se soumet. Enfin, il se soumet sans se soumettre. Il a compris qu'il y a des choses, qu'il y a une loi immuable. C'est ce qu'il appelle la loi primitive. Et Jack London va y revenir très souvent. Cette loi primitive, c'est ça qui va le mener à l'appel de la forêt. C'est le fait qu'il y a, il y a quelque chose de plus fort et une espèce de loi immuable du plus fort. Donc ça peut, c'est extrêmement difficile parce que c'est vraiment la loi du, ah oui, c'est la loi du plus fort et. Et il prend cher, on peut le dire. Donc cet homme va le mater, et ensuite il va le revendre, et c'est là que Buck va partir vers le Grand Nord, et qui va se retrouver vendu à un premier attelage, puis à un autre, puis à un autre. Et il va tourner comme ça de main en main, il va tourner d'attelage en attelage, et se faire, faire différentes rencontres, rencontrer différents amis. Et ennemis, évidemment, il va devoir se battre contre des chiens chefs de meute, il va rencontrer les fameux huskies, qui, dans le livre, sont vraiment décrits comme des animaux troubles, qui sont mi-chiens, mi-loups, qui vivent proches des hommes, mais qui en même temps sont presque sauvages. Ils vivent en meute et n'hésitent pas à détruire les autres chiens. Ils repèrent les chiens isolés et ils les tuent. Et du coup, c'est vraiment des animaux un peu mystiques, presque. Et donc, Buck s'installe dans cette vie, finalement, il continue à évoluer, et il prend un certain rythme. Et il se retrouve dans un attelage mené par deux personnes, Perrault et François, avec qui sont plutôt bons pour leur chien, ils sont bons avec eux, mais malheureusement, ils travaillent pour l'armée, il me semble, ou en tout cas pour l'État. Ils font des livraisons. Et du coup, ils ont des instructions, c'est de changer régulièrement d'attelage pour prendre toujours des attelages frais. Et c'est ça qui va se passer pour Buck, c'est qu'il va passer comme ça d'une vie difficile mais plus ou moins juste à des attelages de plus en plus où ça se passe de moins en moins bien. Et ça c'est un élément historique intéressant de comprendre effectivement comment fonctionnaient ces attelages.
comment fonctionnaient les compagnies qui transportaient du courrier ou du matériel. Et notamment, bah là, c'est effectivement l'État qui a des consignes qui vont du coup entretenir finalement une maltraitance des chiens, puisque comme les chiens sont revendus tout de suite, les chiens sont réutilisés tout de suite par des personnes alors qu'ils auraient besoin de repos. Et l'État ne veut pas perdre du temps à entretenir des chiens, passer du temps avec du repos et tout ça. Et c'est vraiment une sacrée tristesse. Et ça fait écho à notamment à l'exploration. Les grands explorateurs, quand ils exploraient le Grand Nord avec des attelages, il y avait une équation un peu dangereuse entre le poids du traîneau et le nombre de chiens. Donc les chiens peuvent tirer un certain poids, plus tu veux tirer lourd, plus tu mets de chiens. Mais alors plus tu as de chiens, plus il faut de nourriture, donc plus ton traîneau est lourd. Donc une des astuces consistait à partir avec le double de chiens nécessaire et à abattre les chiens au fur et à mesure pour économiser la nourriture. Donc c'est vraiment glauque. Et il y a eu des pratiques comme ça très très dures. On est loin du... On est loin de la vision un peu romantique de l'homme qui vit avec ses chiens et qui forme une meute et ensemble ils vont jusqu'au bout. Il y en a eu, mais il y a aussi eu ce travers-là. Le chien est un objet finalement et un objet qui coûte, donc on n'hésite pas à s'en débarrasser s'il coûte trop et qu'il rapporte plus assez. Là, je vais vous lire un autre extrait de passage de vie. Donc c'est quand Buck est encore avec Perrault et François. C'était un record. En 15 jours, ils avaient parcouru chaque jour une moyenne de 40 miles. Pendant 3 jours, Perrault et François furent le point de mire de tous les cabarets et l'attelage un constant objet d'admiration et de curiosité. Puis, des ordres officiels arrivèrent. François appela Buck, lui mit les bras autour du cou et pleura. Le gouvernement avait décidé de vendre l'attelage et de poursuivre avec des chiens frais. C'est ainsi que Buck vit François et Perrault pour la dernière fois de sa vie. Un métis écossais les prit en charge et repartit avec eux vers Dawson en même temps qu'une demi-douzaine d'autres attelages de chiens. La course fut dure, les charges étaient lourdes, la peine longue. Buck, tout en n'aimant pas ce travail, l'exécuta fidèlement et veilla à ce que tous ses compagnons fissent de même. Mais quelle vie monotone, régulière, machinale, chaque jour ressemblant au précédent. Le matin, les cuisiniers allumaient les feux, préparaient le déjeuner, les hommes attelaient les chiens et c'était la longue course jusqu'à la nuit. Alors on dressait le camp, puis venait le repas des chiens et le seul moment de liberté, l'heure de détente avant le coucher. Ce que Buck préférait à tout était de paraisser près du feu en regardant danser les flammes et en évoquant ses souvenirs. Il songeait parfois au juge Miller, à la haute maison de Santa Clara, mais plus fréquemment il revoyait l'homme au chandail rouge, la mort de Curly et le grand combat contre Spitz. Il n'était pas mélancolique, non. Le pays du Sud était loin, il ne s'en souvenait que plus que vaguement. Autrement puissants étaient les souvenirs de sa race, les souvenirs transmis par ses ancêtres. L'ancêtre immémorial des premiers chiens sauvages et des loups s'éveillait en lui. La longue course difficile les épuisa. Tous étaient maigres en arrivant à Dawson et avaient le plus grand besoin d'un repos d'une quinzaine de jours. Toutefois, après 2 jours, il fallut redescendre les rives du Yukon. Les chiens étaient exténués, les conducteurs maussades, et de plus, il ne cessait de neiger. La piste était donc molle, les chiens souffraient davantage et les charges pesaient plus lourd. Les hommes les aidèrent loyalement. Le soir, les chiens venaient en premier, mangeaient avant eux, et aucun homme ne s'endormait avant d'avoir soigné les pieds de ses chiens. Tous se fatiguaient terriblement et perdaient leur force. Depuis le début de l'hiver, ils avaient parcouru 1800 miles, et cet effort eut anéanti les plus braves. Buck résista, imposant une stricte discipline à ses compagnons, mais lui aussi se sentait las. Billy gémissait continuellement dans son sommeil, Joe était plus farouche que jamais, et seul Lix, inabordable. Celui qui souffrait le plus était certainement Dave. Quelque chose n'allait pas avec lui. Dès qu'on dressait le camp, il s'enfouissait dans la neige, à l'endroit même où il avait été nourri. Dételé, il ne faisait plus un pas avant de reprendre le harnais le lendemain. Parfois, en pleine course, quand un brusque arrêt du traîneau le secouait, il criait de mal. L'Écossais l'examina et ne trouva rien. Tous les hommes s'intéressèrent à lui et tinrent une consultation. On alla le chercher dans son nid de neige, on le palpa, on le tâta jusqu'à ce qu'il eût crié à plusieurs reprises. Quelque chose n'allait pas, mais ils ne purent déceler aucune fracture osseuse. Quand ils arrivèrent à Cassiar Bar, il était affaibli au point de tomber fréquemment en pleine course. Le métis écossais commanda une halte et le détela. Son intention était d'accorder du repos à Dave en le remplaçant provisoirement par Sol Lix. Mais malade comme il l'était, Dave gronda et gémit quand il vit qu'il était remplacé. Il ne se reposa pas, ne suivit pas lentement le traîneau. Quand ils démarrèrent, il rejoignit Sol Lix et l'attaqua. Il gémit sans trêve, criant de mal et s'effondrant parfois avec un hurlement lugubre. À la halte suivante, il rassembla ses dernières forces et se traîna à son ancienne place. C'était un arrêt d'un moment, le temps pour les conducteurs de se tourner et bourrer une pipe et prendre du feu. Puis l'attelage devait repartir. Mais les chiens se retournèrent et s'arrêtèrent surpris. Le conducteur, tout aussi étonné, vit que le traîneau n'avait pas bougé.
Dave avait coupé les rênes de Solix et se tenait à sa place, les yeux suppliants. Les hommes étaient perplexes. Ils parlèrent du chien qui avait eu le cœur brisé parce qu'on leur refusait la place dans l'attelage, de chien dépérissant de chagrin parce que trop âgé pour servir. Ils décidèrent que puisque Dave allait mourir bientôt de toute manière, il valait mieux abréger ses souffrances, en lui permettant de mourir sous le harnais. On l'attela, et il travailla comme avant, cria souvent, trébucha quelquefois et fut même blessé par le traîneau. Il tint bon jusqu'au camp du soir et reçut une place auprès du feu. Le matin, trop faible pour partir, il rampa cependant vers le traîneau, gémit, hurla, se traîna sur les pattes. Mais le traîneau passa. Il resta seul derrière, à bout de force. Après un demi-mile de route, le traîneau fit halte. Le métis écossais rebroussa lentement le chemin vers le camp. Les hommes cessèrent de parler. On entendit un coup de feu. Les hommes revinrent rapidement et lancèrent les traîneaux sur la piste. Les fouets claquèrent, les sonnailles tintèrent joyeusement. Mais Buck et tous les chiens savaient ce qui s'était passé là-bas, derrière le bouquet d'arbres, au détour du chemin. Fin de l'extrait. C'est un livre dur, hein. Moi, il m'avait ému ce passage, vraiment. Parce que c'est terrible, on sent que les conditions de vie sont dures, mais que les chiens vivent pour ça, en tout cas certains chiens. En tout cas, Dave vivait pour ça, et que du coup, il n'y a pas d'autre vie pour lui que celle-ci. Et il a vécu jusqu'au bout sa vie difficile. Et on voit aussi que dans cette vie dure, il y a aussi un certain courage, une certaine bonté, que ce soit de la part des chiens ou de la part des hommes. Et oui, c'est vraiment c'est impressionnant. Et encore une fois, on se place du point de vue de Buck. Et du fait qu'il fait garder la discipline, il a cette espèce de rôle qui se donne de chef de meute. Et là, on peut vraiment parler. Je sais que en éthologie, on est dans la controverse sur est-ce que les animaux domestiques, les chiens domestiques vivent en meute, est-ce qu'il y a un rapport hiérarchique. Mais chez les chiens de traîneau, oui, clairement, il y a des places hiérarchisées et c'est les conditions de vie qui veulent ça effectivement, mais c'est une réalité. Et là, c'est la réalité que Buck se donne, en tout cas, de garder ce rôle et c'est la réalité aussi de Dave qui veut garder sa place absolument, même jusqu'à la mort. Donc je vais vous lire un petit passage un peu plus gai pour se remonter le moral. Donc Buck, tout au long de sa vie, il va passer encore vers un autre attelage, un dernier attelage, et en fait de personnes inexpérimentées qui se décident à partir sur un lac. Traverser un lac alors que le temps est proche du dégel, et heureusement avant de rentrer dans ce lac il se fait détacher par un autre homme qui est là, qui s'appelle Thornton, et qui voit bien que Buck est à bout et qui va engueuler les gens et récupérer le chien juste à temps, et Buck va donc faire une convalescence avec Thornton et retrouver de plus en plus l'instinct de la vie sauvage. Et donc voici un petit passage vers la fin. Cette histoire était aussi vieille que le pays. Beaucoup d'hommes étaient partis à la recherche de la fameuse mine, et certains n'en étaient jamais revenus. Cette mine baignait dans une atmosphère de tragédie et de mystère. Personne ne savait rien sur celui qui l'avait découverte. La tradition disait qu'il existait quelque part une cabane désolée, mais aucun homme vivant ne l'avait vue. Les morts étaient morts, et maintenant, John Thornton, Pete et Hans, accompagnés de Buck et d'une demi-douzaine d'autres chiens, allaient à leur tour s'enfoncer vers l'est, sur une piste inconnue, et tenter leur chance là où des hommes aussi courageux et des chiens aussi forts qu'eux avaient échoué. Ils remontèrent le Yukon sur 70 miles, prirent à gauche le fleuve Stewart, passèrent Mayo et McQuestion, en remontant jusqu'à la source du fleuve Stewart. John Thornton demandait peu aux hommes et à la nature. Il ne craignait pas la solitude sauvage. Muni d'une poignée de sel et d'un fusil, il s'enfonçait dans la steppe, y restant aussi longtemps que cela lui plaisait et où cela lui convenait. Sans hâte, à la manière des Indiens, il chassait son repas en cours de route, et si le gibier faisait défaut, il continuait sa marche, sachant comme les Indiens que tôt ou tard, il le trouverait. En avançant vers l'est, ils vivaient donc tous de la chasse. Les bagages se composaient surtout d'outils, et le temps n'avait pas de limite. Buck était ravi de ses parties de pêche, de ses chasses et de ses promenades sans fin dans des lieux étranges. Pendant des semaines, ils avançaient sans trêve, jour après jour, puis s'arrêtèrent parfois pour camper au même endroit pendant plus d'un mois. Les chiens musardaient alors aux environs. Les hommes creusaient des trous dont ils extrayaient du gravier, qu'ils lavaient et chauffaient sur le feu. Parfois ils avaient faim, parfois ils festoyaient d'abondance, selon les hasards du gibier et de la chasse. L'été arriva. Les hommes et les chiens changèrent l'équipement sur leur dos, traversèrent les lacs bleus des montagnes, descendirent et remontèrent des rivières inconnues, dans des minces canoës creusées dans des troncs d'arbres à la manière indienne.
Les mois vinrent et passèrent, et ils parcoururent toujours l'immense solitude où il n'y avait pas trace d'hommes, mais où pourtant des hommes s'étaient déjà aventurés, si l'histoire de la cabane perdue était vraie. Ils subirent les vents secs de l'été, frissonnèrent sous le soleil de minuit au flanc des montagnes nues, pénétrèrent dans des vallées infestées de mouches et cueillirent des fraises et des fleurs à l'ombre des glaciers. Vers la fin de l'année, ils arrivèrent dans une région désolée de lacs tristes et silencieux, marquée par le passage des oies sauvages, mais où il n'y avait pas trace de vie et où les vents glacés s'engouffraient en rafales dans les moindres cachettes. Ils avancèrent encore pendant tout l'hiver, croisèrent des pistes presque effacées d'hommes qu'ils avaient précédés autrefois. Ils tombèrent sur un vieux sentier et la cabane perdue leur sembla toute proche. Hélas, le sentier serpentait sans fin et revenait à leur point de départ. Le mystère persistait donc. Une autre fois, ils trouvèrent les débris d'une hutte, et en fouillant un tas de couvertures pourries, John Thornton trouvait un fusil ancien de la compagnie de l'Hudson, mais pas le moindre signe de l'homme qui avait bâti la hutte et abandonné le fusil. Le printemps revint encore, et à la fin de leur course, ils ne trouvèrent pas la cabane perdue, mais un gisement aurifère situé dans la large vallée où l'or brillait à fleur de sol. Ils n'allèrent pas plus avant. Chaque jour de travail leur permettait de gagner des milliers de dollars de belles poudres jaunes ou de pépites. L'or fut mis dans des sacs en peau d'élan d'une capacité de 25 kilos, qui s'entassèrent comme du bois à brûler auprès du camp. Les trois hommes travaillaient comme des géants accumulant un trésor. Les chiens n'avaient rien à faire, sauf rapporter le gibier que les hommes tuaient à l'occasion. En parcourant les forêts et la solitude primitive, les souvenirs d'une vie ancestrale se précisaient chez Buck. En rêve, il lui semblait revoir le temps où l'homme sauvage et primitif hantait ces lieux, suivi de ses propres ancêtres, les chiens sauvages et les premiers loups domestiqués. Sans cesse, de telles rêveries étaient interrompues par l'appel persistant et lancinant de la forêt sauvage. À cet appel, Buck se sentait envahi d'une étrange inquiétude et de désirs inconnus. Il ressentait une joie vague et douce, troublante aussi. Parfois, il répondait à l'appel qu'il croyait entendre et pénétrait dans la forêt en aboyant. Il plongeait son museau dans la mousse délicate, humait avec joie l'odeur de la terre ou bien se cachait pendant des heures derrière les troncs d'arbres, couvert de champignons, les yeux grands ouverts, les oreilles dressées, sans comprendre pourquoi il agissait ainsi. Il était en proie à des impulsions irrésistibles. Au camp, étendu au soleil, il lui arrivait de lever brusquement la tête et de filer en forêt pendant des heures entières. Là, il aimait se glisser dans le lit desséché des torrents pour mieux épier les oiseaux. Mais ce qu'il préférait à tout étaient ses courses nocturnes dans la lumière blême de la lune, attentif aux murmures étouffés de la forêt endormie, déchiffrant des signes et des sons, toujours à la recherche de la voix mystérieuse qu'il appelait sans trêve, qu'il fût endormi ou éveillé, et lui ordonnant de venir. C'est peu après ce passage que Buck va faire une immense rencontre, que je ne vous spoile pas. Et c'est un moment assez beau. C'est vraiment un livre qui passe par des phases difficiles, mais où il y a une beauté sous-jacente, la beauté de la nature, d'une espèce de force de vie. Et c'est vraiment... Ça nous donne envie de prendre notre sac à dos et de partir, nous aussi, sur les traces de la vie sauvage. C'est vraiment très très chouette. Donc c'est un livre que moi je conseille. Alors, pour enfants ou pas? Ça c'est une bonne question. J'ai lu des livres très durs quand j'étais enfant, et je ne sais pas trop... Maintenant j'ai forcément une analyse d'adulte, et je me dis que oui, c'était formateur. Quand j'étais enfant, je me disais, ouh, mais c'est... le monde est dur, et je trouvais que le monde était difficile. Mais c'est pas les livres qui sont difficiles, finalement. Les livres, ils ne font que raconter des histoires, et ces histoires, elles nous préparent aussi à la dureté de la vie, et aussi à la beauté de la vie. Et ça peut aussi nous sensibiliser justement à savoir ne pas être dur, à savoir ne pas provoquer de violences inutiles, puisque le monde a son lot de violences de toute façon, pas la peine d'en rajouter. Donc pour moi, oui, je pense que les enfants à partir de 10 ans peuvent largement lire ce livre. Après, à vous de juger. Je pense aussi que ça peut être nécessaire d'en parler avec ses enfants pour justement dédramatiser, recontextualiser, sensibiliser, débattre. C'est très intéressant. Et actuellement, dans notre société, on parle tellement... Enfin, on se questionne sur la place que doivent occuper les chiens, la place qu'occupent les animaux auprès de nous, le spécisme, mais aussi l'impact que nous-mêmes nous avons sur la Terre, sur les animaux qui nous entourent, sur les gens... Et je pense que ce genre de livre doit justement encourager à une certaine bienveillance et aussi à une certaine force, parce que ça passe aussi par là, par développer sa propre force pour pouvoir vivre cet appel de la vie, justement. Donc pour moi c'est un livre vraiment intéressant à lire. Moi je ne connaissais de Jack London que Croc-Blanc, et je trouve que celui-là il est
il est presque plus intéressant parce que finalement comme il parle du point de vue du chien, il est très minimaliste. On n'a pas énormément de détails. On a quelques détails. On a des détails en kilomètres. On a des détails des personnes, de l'argent qu'ils accumulent, les tractations qui se passent, les gens qui se vantent de la force de leur chien. Mais on reste vraiment centré sur le chien et du coup on retourne un petit peu à l'essentiel, à la vie basique du manger, dormir, se battre et évoluer. Et c'est finalement en fait la vie des hommes, elle était aussi très minimaliste dans ce sens-là où il fallait se battre. Je parle pas dans les temps anciens, mais juste 19e siècle, le Grand Nord. Cette vie d'aventurier qui était très dure et qui était très basique, mais qui était quand même très très riche de sens et d'expérience. Donc pour moi c'est vraiment un grand oui. Lisez ce livre. Moi j'ai trouvé une version jeunesse. Qui du coup est un condensé, mais je pense que ça vaut le coup de lire la version non condensée pour justement se délecter de tous les passages où il décrit la nature, il décrit les chiens. On se sent vraiment emporté par l'œuvre. C'est un très très beau livre avec une vraie quête personnelle. Il y a une vraie histoire, quoi, et quelque chose qui nous touche personnellement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite analyse. Si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez me retrouver sur le blog Chien Ludique. Donc chien-ludique.fr, vous pouvez retrouver toutes les chroniques. Et il y a d'autres chroniques sur d'autres œuvres avec des chiens, donc je vous laisserai regarder ça. Et puis si vous-même vous avez envie que je décrive, que je lise d'autres œuvres et que je vous en parle, n'hésitez pas à me contacter via le site ou via Instagram, les réseaux, tout ça. Vous pouvez me retrouver sous... toujours le pseudonyme Chien Ludique. Voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et puis de très bonnes balades avec votre chien. Soyez forts, soyez bienveillants. La vraie force, c'est savoir faire preuve de bienveillance. Et la véritable bienveillance, c'est aussi savoir faire preuve de force. Sur ces belles paroles que je vous laisse méditer, je vous souhaite encore de bonnes lectures et de belles balades. Et à bientôt !